venant de la Villa Médicis. Ah oui, oh, oui j'allais dire, c'est ce qu'on jette en, en Inde, non, mais là, c'est de la Villa Médicis. C'est de la peinture, en fait. Et c'est là, de la peinture qui est absolument unique au monde et qui a permis à M. Balthus, peintre et directeur de la Villa Médicis, de 1961 à 1977, de peindre, vous voyez, ces murs-là. C'est magnifique, regardez. Qui sont devenus, en fait, des œuvres d'art. Oh, on ne peut plus maintenant. Retrouver en toute sérénité. Bah oui, vous allez vous installer à Villa Médicis, c'est ça l'amour. Vous suivez votre femme, Muriel Mayette, et vous abandonnez France Télévisions. Vous nous abandonnez. Vous nous abandonnez après 44 ans quand même de. Mais par amour. De bons. Oui, mais c'est ça. Pour nous, par amour. Nous, nous aimons à la fois sur une balance. On comprend. On comprend un peu. On comprend. Alors, on va parler évidemment de ce départ qui nous brise le cœur. On va parler également de ce nouveau livre que vous signez avec votre fils Julien, Les 100 histoires de légende des Jeux Olympiques. Quelle est la date exacte de votre départ ? La fin de l'année. La fin de l'année, c'est pas très exact, mais oui, enfin, c'est décembre. Non, non, mais ce sera sans doute le 1er janvier, quoi. Et dans quel état d'esprit vous êtes ? Je suis très amoureux. Non, je suis très amoureux. Ah oui, donc ça veut dire que, ça veut dire que tout cela, c'est vous drôle parce que ça, c'est un peu choqué. C'est un peu choqué. C'est revenu un peu comme ça aux oreilles, une sorte de choc sismique de dire bah oui, aujourd'hui, on peut vivre une histoire d'amour complètement et aller au bout de son histoire. Et c'est un homme qui peut suivre sa femme aussi au bout du. Enfin, pas du monde. Combien de femmes suivent leur mari au bout du monde lorsqu'ils sont nommés chef d'entreprise, journaliste, correspondant de presse ou un truc comme ça ? Moi, je fais le contraire. Voilà, ça me fait un petit frisson derrière rien que de le dire. Un frisson d'émotion. Un frisson d'émotion, une belle émotion. Parce que pourquoi ? Parce que d'abord, France Télévisions me disait, Gérard, on se moque de ton, on s'en fout de ton âge, on veut te garder. Bah oui. C'est assez rare pour les temps qui courent. Oui, c'est vrai. C'était plutôt sympathique. Vous le dites, vous le dites. Par rapport à un certain nombre de nos amis qui ont. Oui, c'est ça. Sur toutes les chaînes d'ailleurs. Oui, toutes les chaînes. Oui, c'est pas qu'on appelle le mercato. Ouais. Bouge beaucoup. Donc déjà, ils voulaient me garder. Ils voulaient que vous fassiez les JO déjà. Oui. Et vous, non. Non, c'est un peu comme le Dakar. J'ai dit, c'est une discussion avec Daniel Bilalian, mais que j'avais prévenu déjà il y a 3 ans. Parce que, en fait, tout est parti il y a 3 ans, et on en avait parlé ici, de mon premier documentaire fiction que j'ai fait. J'ai réalisé il y a 3 ans. En l'écrivant et en le réalisant, je me suis dit, ça, c'est l'avenir. Pour moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de réaliser. Ouais. J'ai envie de faire des documentaires, des fictions. Et ça, on peut le faire en Italie. Oui. Non. Très sérieusement, pour les JO, vous aviez peur d'être épuisé, HS, parce que vous bossez toujours quand même malade. Malgré l'expérience et les années, vous ne faites pas ça par-dessus la jambe. Oui, oui. Londres, j'ai enchaîné le Tour de France et les Jeux Olympiques et je suis arrivé complètement vanné. Et il a fallu que je travaille tous les soirs, genre 2h, 3h, 4h du matin, pour récupérer toutes les informations concernant les programmes qu'on allait faire le lendemain. À Londres, j'étais 6h à l'antenne tous les après-midi. Et ça se mérite, ça. Moi, je dis, le direct, c'est un grand ancien patron, Pierre Desgroupes, Philippe Gidas, qui est mon modèle absolu, Philippe, me disait, indirect, il faut être au top du top du top. Or là, on partait 4 jours après le tour. Je rejoue au théâtre pendant le tour, le malade imaginaire. On a plusieurs passions. Donc je vais être fatigué, j'aurais pas bien préparé les JO. Par honnêteté, j'ai dit, il faut être en forme. Pas cette fois. Alors votre patron, il sait ce qu'il perd, vous en parliez. Daniel Bilalian, patron des sports de France TV, qui n'a pas du tout l'intention de partir. Lui, nous sommes allés lui rendre visite, de même qu'à votre successeur, Laurent Léa. Ah d'accord. C'est assez injuste, mais il avait un physique. Il était grand. Tous les chefs d'État qu'il rencontrait lui disaient à la fin de l'interview « Vive le sport ». Voilà, c'est ça être une star de la télé. Les journalistes sont devenus des professionnels, ils exercent un métier. La génération de Gérard, c'est des gens qui exerçaient une passion. C'est tout à fait différent. Moi, peut-être à la belote, peut-être. Il sera peut-être aussi sur les planches encore dans 5 ans. Ah, exactement. Puis le théâtre. Puis c'est vrai que le théâtre ou le cinéma, l'âge n'a pas trop d'importance. Gérard, est-ce que tu pourrais, parce que Daniel et moi, on est amateurs quand même de bons cigares, est-ce que tu pourrais un jour, devant la caméra, fumer un bon cigare ? Ouais, voilà. Alors, on vous a apporté un cigare, mais je suis totalement contre, personnellement. Impossible. Donc voilà, on est d'accord, on le range. Non, mais Laurent, que j'adore, et Daniel encore plus, de par gentillesse, mais là, c'est absolument impossible. J'ai jamais fumé de ma vie. Jamais de ma vie. Et j'en avais fait un défi même dans l'autobus qui nous emmenait au Mont-Saint-Michel à la sortie de fin d'année du lycée. Des copains, 14, 15 ans, commençaient à fumer au fond du bus là-bas. Et je me suis dit, mec, c'est pas comme ça qu'on devient un homme.
Grande phrase. Et, grande ouais. phrase. Et encore et, moins, oui, un sportif, puisque vous êtes extrêmement sportif. Oui, alors j'ai les poumons ouais. dans un état épouvantable parce que j'ai passé 2 ans en préventorium, donc entre 9 ans et 11 ans, parce que j'ai eu de la tuberculose. Ah oui, ah, d'accord. Et ah oui, la fameuse phrase que j'ai citée un jour, à la fin, j'étais au préventorium de Troche, en Corrèze, pendant 2 ans, sans mes parents. Ça a été terrible, entre 9 et 11 ans. Et en sortant, quand mes parents sont venus me chercher, le médecin a dit « jamais de sport, il ne pourra jamais faire de sport ah, ». Moi, je ne peux pas imaginer une journée ah, oui, sans faire un exercice. Sport. Et d'ailleurs, vous en faites… Je continue, voilà. À Rome. Et même quand on ne vous demande pas de faire du sport, vous faites des entrées un petit peu spectaculaires, j'allais dire sportives, mais vous vous souvenez peut-être de ces images, l'arrivée d'un téléthon assez olé-olé, assez rock'n'roll, regardez. Et avec le GIGN, avec l'armée, Gérard va… se battre, se dépenser beaucoup pendant 2 jours pour récolter lui aussi des dons un peu partout. Il vient de se poser, donc Gérard, sur le toit au-dessus de nous, à peu près à 50-60 mètres de hauteur. Il va glisser devant la célèbre façade de la maison de la radio. Attache-toi bien, Gérard. Je m'équipe. Voilà. Gérard, si tu peux descendre plus vite que prévu, on a du retard, merci. Allez. Gérard Rolls, en combinaison jaune, sur la paroi de la maison de voilà. la radio. J'arrive à la hauteur de la caméra, là, qui est juste ici, salut. C'était lors du premier Téléthon, un événement auquel vous êtes évidemment très, très attaché, que vous avez lancé. Et là, en voyant ces images, vous avez peur rétrospectivement. Vous vous rendez compte que c'est complètement inconscient alors, de faire ça. Oui, parce que j'ai fait entre-temps de la haute montagne. Mmh. Et j'ai toujours ce vertige. Il faut que je le calme, il faut que je travaille psychologiquement, grâce au commandant Le Gorju, qui était le patron du GIGN, qui m'a fait travailler. Ouais. Là, c'était terrible. On avait les deux portes. On était en stationnaire avec l'hélicoptère au-dessus de la maison de la radio. Mmh. Jerry Lewis devait faire 5 minutes, il a fait 20 minutes. Oui. On était gelés complètement. Moi, j'avais les jambes dans le vide. Ouais. Avec le copain Daniel Cerdan, je me souviens, c'est lui le gendarme qui était là, avec côté de moi, qui disait « Gérard, calme, respire, calme, respire ». On est descendu en hélico sur le toit de la maison de la radio, et ensuite après, et… J'étais comme ça. Parce qu'il n'y a pas de sécurité, là. On se met dans le descendeur. Beaucoup moins sportif, tout aussi dangereux. On accueille Mathieu Noël. Ah oui.